Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour parler d'un tout nouveau livre qui s'intitule La Religieuse. La Religieuse est un roman, plus particulièrement un roman mémoire, écrit par Denis Diderot en 1780. Mais il sera publié 16 années après, en 1796, à titre posthume. L'histoire parle de Suzanne Simonin, qui est placée contre son gré dans un couvent, parce que c'est une enfant illégitime et sa mère veut expier sa faute de jeunesse. Dans le couvent, Suzanne va souffrir. Elle va être maltraitée par la mère supérieure et par les autres sœurs. C'est un livre qui est très intéressant parce que nous avons vraiment le ressenti d'une personne qui souffre et nous souffrons avec elle. Je vous recommande donc ce livre qui est une vraie merveille, si on peut dire merveille, et qui est assez court et qui se lit très aisément. Je vous propose maintenant la bande-annonce du film La Religieuse qui est sorti en 2013 et qui est lui aussi intéressant. Est-il vraiment nécessaire que je m'enferme dans un couvent? Votre naissance est la seule faute que j'ai commise. Aide-moi à l'expier. Tu resteras un an de plus. Je devais sortir au mois d'avril, nous sommes au mois de novembre. Je sais. Tes parents se sont dépouillés pour tes sœurs. Ils m'ont enterré ici. Vous enterrez. Sachez qu'aucune demoiselle n'est jamais devenue religieuse contre son gré. Marie-Suzanne Simonin, promettez-vous à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance? Non, mon père. Dieu a refusé que je mente. Tu es bien orgueilleuse. Mais c'est quoi cette mélancolie? Ne pas avoir la vocation. Qui est-ce? Sœur Christine, notre nouvelle mère. Vous avez dérobé à l'économat de quoi écrire? Déshabillez-la. Entièrement. Elle m'humilie. J'ai l'impression qu'elles en veulent à ma vie. Tenez. Cachez ça. De quoi s'agit-il? Un mémoire pour sortir du couvent. La procédure pour l'annulation de vos vœux est en cours. Ainsi, Sœur Suzanne, vous voulez nous quitter? Je veux sortir d'ici! Mes sœurs, je vous invite à implorer la miséricorde de Dieu sur une religieuse qui l'a abandonnée. Pourquoi ne vous confessez-vous pas? Parce qu'on me l'interdit. Vous êtes indigne de vos fonctions. Avez-vous fait bon voyage, mon enfant? Oui, ma mère. Tant mieux. Sœur Suzanne, vous ne m'aimez pas? Si, je vous aime. Non. Dites-moi ce qu'il faut que je fasse pour vous le prouver. Refuser ses invitations, comme si elle venait de Satan. Non, Suzanne, aidez-moi! Mon Dieu. Voilà, c'est la fin de ma vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, un petit pouce bleu, et je vous retrouve très prochainement pour d'autres arrivées livresques. A bientôt, au revoir.